Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous présenter le prochain DLC qui arrive dans GTA Online. Donc qui s'intitulera Des motos, des boulots et des bobos. Donc il est vraiment chelou par contre le nom. Enfin bref. Donc je vais vous dire un peu ce qu'on dit Rockstar sur Newswire. Donc c'est le DLC Biker pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc celui que parle tout le monde. Dans moto, boulot, bobo. Le prochain bébé de la famille GTA Online, vous pourrez enfin créer et diriger votre propre club de motards, qui pourra accueillir jusqu'à 8 joueurs. Vous pourrez ainsi incarner des rôles inédits d'aspirant à président du club, ainsi que profiter de tout nouveau mode de jeu compétitif et en coopération. Vous aurez également la possibilité de vous offrir de nouvelles motos et propriétés, dont un QG pour votre club de motards, dans lequel vous pourrez personnaliser vos motos ainsi que des lieux de production d'où vous pourrez faire fructifier vos affaires criminelles. Donc déjà ce qu'on peut savoir sur la nouvelle mise à jour, il y aura des nouvelles motos, des nouvelles propriétés, des nouveaux modes de jeu, un QG pour Club Motard, donc ce sera un peu comme le truc de Benny sauf que ça sera à vous, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est après ce conseil, on pourra faire aussi petites choses en coopération et le club motard pourra accueillir jusqu'à 8 joueurs. Donc ensuite, dans moto, boulot, bobo, vous pourrez non seulement gravir les échelons de votre club et créer des lieux de production florissants, mais aussi découvrir une sélection de modes de jeu inédits au relent de cuir et d'asphalte, ainsi que d'autres nouveautés dont des armes, des styles, des tatouages et des fonctionnalités qui s'ajoutent ainsi de façon capitale au monde de GTA Online. Donc là, donc ça donne vraiment beaucoup de choses. Donc j'espère que ça va être cool. Je suis pressé de le voir. Donc on peut peut-être se dire que ça serait la semaine prochaine. Ça pourrait être cool. Et même si des clubs de motards loyaux se battront contre des PDG hors la loi, des organisations criminelles pour renforcer leur empire sur la ville, vous aurez toujours la possibilité d'imposer votre propre style, guetter les affaires risquées à base de véhicules qui vont bientôt fleurir à Los Santos et Blancundi. Donc voilà, donc on va pouvoir avoir donc aussi des véhicules apparemment, donc des motos et des voitures, donc c'est cool, si on pourrait aussi avoir le Slamman V2. Donc voilà, j'essaie de vous mettre une petite image à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.